Salut les manchots, comment installer une extension dans Ubuntu 20.04? C'est très facile, il suffit d'aller dans la Logitech et d'installer le logiciel ajustement GNOME Tweak Tool. Une fois le logiciel installé, vous aurez accès au logiciel ajustement. Dans les menus, vous allez pouvoir trouver le menu extension. Par défaut, Ubuntu 20.04 installe 3 extensions qu'il n'est pas possible d'activer ou de désactiver, elles sont réglées par défaut. Il y a juste l'extension desktop icon qui se trouve ici, qu'il est possible d'activer ou de désactiver pour avoir les petits menus qui se trouvent ici sur votre bureau. Activer ou désactiver la corbeille, à vous de voir selon votre utilisation. Une fois le logiciel ajustement installé, vous allez avoir accès à un nouveau menu qui se trouve dans la Logitech, le menu extension qui se trouve ici. Je lance le logiciel extension. Et nous avons ici les mêmes paramètres, bien sûr, et ici un petit point d'information. Et nous allons pouvoir aller sur le site des extensions de GNOME. Il va lancer le navigateur Internet et nous allons avoir accès aux extensions de GNOME. Alors, il va falloir lire le petit encart qui se trouve ici pour faire fonctionner les extensions de GNOME. Je vais faire une recherche sur OpenWeather. C'est une extension météo. Voilà l'extension météo que je vais installer. Alors, il ne faudra pas installer trop d'extensions si vous voulez que votre système reste stable et fonctionnel. Pour l'instant, je ne peux pas installer l'extension OpenWeather. Pour cela, il faut cliquer sur le lien qui se trouve ici et installer l'extension GNOME. Continuer l'installation, il va installer l'extension GNOME Shell. Je fais ajouter. Nous allons avoir un nouveau menu qui va apparaître tout en haut ici. Et là, c'est le pied, c'est l'extension GNOME Shell qui se trouve ici. Donc nous avons accès à GNOME Shell. Nous revenons sur le menu OpenWeather et je fais rafraîchir la page. Je rafraîchis la page et je vais avoir un nouveau menu qui apparaît ici. Et je vais pouvoir activer ou désactiver mes extensions. Je vais activer l'extension OpenWeather. Il me dit installer l'extension et je fais installer. L'extension est téléchargée et installée. On la voit, elle apparaît ici dans le menu tout en haut. Je vais ensuite sur le menu extension et je vais pouvoir configurer et régler les extensions. Et l'extension OpenWeather, je peux la supprimer bien sûr. Je peux l'activer ou la désactiver. Elle est disparue ici. Ici, elle est passée à off. Je vais l'activer et maintenant je vais la configurer. OpenWeather qui se trouve ici. Et nous allons la configurer. Pour l'instant, j'ai accès à la ville de Viaku Tuvalu. Je vais faire ajouter. Je vais ajouter la ville de Quimperlé. Et je fais trouver. Dans le menu, je choisis le lien qui m'intéresse et je fais sauvegarder. La ville de Quimperlé a été rajoutée. Je peux bien sûr installer plusieurs villes. Par exemple, la ville où vous allez aller en vacances, vous pouvez la préparer et l'installer pour pouvoir l'afficher dans les menus qui se trouveront ici. Pour l'instant, je vais aller voir par exemple la ville de Viaku et la ville de Quimperlé. Je peux choisir la ville de Viaku qui sera affichée ici. Légère pluie. Et là, je vois que la température est en Fahrenheit. Ce n'est pas un souci. Nous allons reconfigurer tout cela. Pour cela, il faut aller dans les onglets qui se trouvent ici. Fournisseur météo, je ne touche à rien. Fournisseur de géolocalisation, je ne touche à rien. Les unités de mesure, je vais les mettre en degrés Celsius. La vitesse du vent en kilomètre heure, c'est plus sympathique. Et l'unité en hectopascal ici. La disposition de l'affichage, donc on est bien passé en degrés Celsius. Et nous allons afficher les conditions sur le tableau de bord. Hop, j'active les conditions dans le tableau de bord et nous avons donc un petit ciel dégagé avec des éclaircies. Et nous sommes à 14 degrés. Il est bien sûr possible d'afficher aussi les prévisions de météo. Nous sommes à 2 jours de prévisions qui sont affichées dans le menu tout en haut. Aujourd'hui mardi et puis demain mercredi. Voilà une petite extension sympathique pour avoir la météo dans la barre qui se trouve tout en haut ici. Par contre, un autre site que je trouve très sympathique, c'est pour savoir le temps qui va le faire. C'est le site Windy. Windy, alors je vais sur Quimperlé par exemple,
et j'affiche la météo de Quimperlé. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il va pleuvoir, pour savoir si je peux mettre mon linge à sécher ou si je veux pouvoir aller me promener à vélo. Là, à cette heure-ci, il est 8h et des brouettes. Il va pleuvoir 0,4 mm ce matin. Tout ce qui est en bleu ici, c'est ce que l'on va ramasser ce matin, parce que généralement, le vent vient de l'ouest et je peux donc savoir qu'il va y avoir un peu de pluie ce matin. Sinon, vous pouvez activer l'animation qui se trouve ici et vous verrez. À midi, j'aurai encore un peu de pluie. À 10h, pour l'instant, ça va, 4 mm. Mais cet après-midi, on aura un peu plus de pluie, 3, 4 mm. À 6h, il pleuvra aussi. Il est possible d'aller voir pour le jour du mercredi. Là, ça sera un petit peu plus calme à 5h du matin, mais là, je dormirai bien. Et voilà, une petite application sympatoche qu'il est possible, bien sûr, de configurer. Avec le menu qui se trouve ici, avec des réglages, une fois que vous serez enregistré, vous pouvez la configurer pour l'avoir en degrés Celsius, en kilomètre-heure. Toutes les infos sont ici si vous en avez besoin. Il est possible de configurer la carte suivant vos besoins, la température, les nuages si vous, c'est la bronzette qui vous intéresse. Ou si vous aimez le surf, ça sera les vagues qui se trouvent ici. À vous de tester cette application fort sympathique. Je vous dis Kenavo et à bientôt.